La conférence de clôture va être prononcée va être donnée par Thierry Mennessier, qui est professeur des universités à l'université Grenoble. Grenoble, hein, Oui, c'est c'est ça, ça, ok, qui est également titulaire de la chaire éthique et intelligence artificielle et vice-président chargé du développement de la recherche en sciences humaines et sociales de l'université Grenoble-Alpes. Vous avez été aussi directeur du pôle grenoblois de l'école doctorale numéro 487, philosophie, histoire, représentation et création, vice-président chargé de la valorisation de la recherche au sein de l'université Pierre Mendès France de Grenoble 2. Vous interrogez donc dans vos travaux la manière dont les technologies et l'esprit d'innovation typique renouvellent les usages et les concepts modernes. Donc votre recherche s'inscrit dans une dimension épistémologique où il s'agit de définir ce que signifie innover à la fois en regard de la logique, de la découverte technique et scientifique et dans le contexte de notre du moins d'idées héritées. C'est une recherche qui s'effectue en relation avec les acteurs de l'innovation et vous préconisez également un dialogue entre les sciences humaines et sociales et les sciences des ingénieurs et le design. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez décidé donc de nous faire une petite conférence de clôture qui certainement va reprendre un certain nombre d'idées qui ont été évoquées ici pendant cette journée. Je vous laisse la parole. Je m'occupe d'une chaire qui s'appelle Éthique et Intelligence Artificielle, qui est située au sein de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble. Un mot sur cet institut, c'est un des quatre instituts nommés 3IA que le plan Villani, que le président Macron a décidé de mettre en œuvre, a prévu pour comment dire, rassembler les forces de conception de l'IA de la France. Alors il y avait 12 sites qui étaient disons, candidats et l'appel à projet donc, qui a été si vous voulez, examiné par le jury international, disons, validé quatre propositions, dont celle de Grenoble. Alors, on peut parler de ce projet qui consiste à rassembler les forces françaises de l'intelligence artificielle dans le but de concurrencer les plus gros producteurs mondiaux d'intelligence artificielle, que sont les USA et la Chine. Alors, peut-être, les choses sont-elles à apprécier sur l'effort qu'on fait plutôt que sur le résultat qu'on obtiendra. Toujours est-il que j'ai personnellement accepté de m'embarquer, comme on dit en bon français, avec des collègues qui sont titulaires de chaires en mathématiques informatiques, en robotique, en sciences de la cognition, pour donc apporter le concours de l'éthique. À vrai dire, en ce qui me concerne, je n'étais pas le mieux placé pour être candidat, et d'ailleurs je ne l'étais pas dans un premier temps, parce que comme il a été rappelé par Alain, à cette époque-là, j'étais vice-président en charge de mon université, ce qui était une noble mais vaste tâche qui m'occupait bien assez. Et voilà, en fait, on l'a retrouvé par là. Merci beaucoup, c'est formidable. Et du coup, j'étais d'autant moins bien placé que pour occuper une chaire éthique et intelligence artificielle, que je ne suis notoirement ni informaticien,
ni même éthicien. En revanche, comme il est présenté dans le PowerPoint qui va apparaître, en fait, je suis un spécialiste de philosophie politique, formé en sciences politiques, et mon auteur de référence n'était même pas un philosophe d'ailleurs, mais c'est un auteur majeur de la pensée politique, à savoir Nicolas Machiavel. Et dans la première partie de ma carrière, j'ai traduit Machiavel et j'ai écrit de très nombreux articles, enfin oui, une cinquantaine quand même, et plusieurs ouvrages, au moins cinq, sur Machiavel, avec une interprétation qui est la mienne, et qui est donc discutée. Donc, je suis un de ces hyper spécialistes d'un auteur, comme on le voit en philosophie. Et c'est là que tout a basculé, puisque Machiavel m'a emmené sur des territoires que je n'aurais jamais cru aborder. D'abord classiques, ceux de la transformation du discours républicain, il était lui-même, comme on dit, philo-populaire, du camp républicain. Et d'autre part, les questions de la corruption. Et tout ça m'a doté d'une certaine méthode qui m'a été très profitable lorsque j'ai délaissé des voies classiques pour entrer sur un autre terrain qui, ainsi qu'il a été là encore évoqué, pour entrer donc sur le terrain des questions d'innovation. En ce sens que, et peut-être avais-je été préparé par un auteur de la Renaissance, lui-même très au fait des questions techniques qui habitent les questions sociales, morales. Alors, les savoirs de l'innovation donc, qui m'ont amené à d'abord questionner cette notion d'innovation qui est tout sauf évidente pour un philosophe politique. Et je me suis vraiment intéressé à la manière dont l'Agence nationale de la recherche en France, dès 2011, invitait les chercheurs, toutes disciplines confondues, à s'inscrire dans un appel à projet générique, un projet cadre, qui s'intitulait « Société innovante ». Tout est parti de là. À titre personnel, je ne savais pas ce qu'est une société innovante. Donc j'ai enquêté, et quelques 10 ans après, exactement 10 ans après, en 2021, c'est le fruit de l'effort consenti, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Innovation au pluriel, une enquête philosophique ». Donc cette enquête philosophique révèle que la notion d'innovation est une notion qui n'est pas simplement susceptible de s'emboîter dans celle du progrès. Le livre a été produit à partir d'une enquête philosophique. Une enquête philosophique qui avait été, je le dis parce que c'est important pour la suite, qui avait été préparée par les efforts, disons, déployés pour comprendre d'autres phénomènes complexes, comme l'évolution du discours républicain, pour mon HDR, en philosophie sciences politiques, et d'autre part la question de la corruption civique. Deux thèmes beaucoup plus proches de la pensée de Machiavel. Mais la méthode, je le redis, était une méthode que j'ai inventée à ce moment-là, qui est une méthode de philosophie éthique et politique qui prend en compte, qui observe le jeu des parties prenantes. Et tout cela, vous voyez, pouvait se synthétiser sous le chapeau d'une question assez classique. Quel rôle pour la science technique dans la constitution de ce type de société? J'en suis arrivé à l'idée que, ce que je démontre dans le livre, l'innovation constitue un paradigme à part entière qui se substitue à celui de progrès. À certains égards, l'innovation ressemble au progrès, mais à beaucoup d'autres égards, le monde de l'innovation dans lequel nous sommes entrés n'est pas le monde du progrès. Alors, c'est dans ce contexte que on m'a proposé la chaire éthique et intelligence artificielle. Et j'ai dit, mais enfin, vous savez bien, je suis un philosophe machiavélien, c'est comme ça qu'on parle pour les spécialistes de Machiavel, même machiavéliste, spécialiste de l'auteur même, et ma pensée est très, très inspirée par lui, donc machiavélien, de l'innovation. Et on m'a dit, mais ça colle parfaitement, tu vas voir. En effet, ça colle parfaitement. Et philosophe embarqué avec les concepteurs de l'IA, je m'y retrouve à observer ce monde et à essayer de le comprendre. Et on me demande de proposer des évaluations éthiques. Et c'est là que, finalement, le philosophe apporte d'autres choses dont je vais vous parler. Alors, simplement pour la chaire, vous voyez, donc elle se présente comme ça, avec, c'est quasiment la diapo officielle, hein, notamment du site grenoblois, qui se met en majesté avec les montagnes et la technologie, hein, avec l'accélérateur bien connu. La chaire dépend donc de mon laboratoire de philosophie, et je suis, on en discutait assez à midi, moi suffisamment Marie, j'en ai le cœur gros d'ailleurs, que les collègues philosophes en général, à Grenoble, ils sont très bienveillants, mais ne s'intéressent pas à ces questions. La France accuse un retard énorme, non pas seulement sur l'IA en philosophie, mais sur les techniques. Et il n'y a pas de philosophie des techniques comme il devrait y en avoir, en dépit de
grands ancêtres, hein, comme Gilbert Simondon, Jacques Ellul, qui sont des auteurs extrêmement importants. Bon, il y a un certain revivalisme aujourd'hui de ces auteurs, mais enfin, il y a une jeune recherche en philosophie de la technique, et moi je vais essayer, dans les années qui me restent, de développer ça en formant des gens, des postdoctorats en particulier, pour leur mettre la main à la pâte sur ces questions cruciales pour le développement même de l'IA et d'une IA éthique et responsable, ainsi que je vais le montrer. Alors, là où je suis très heureux de cette chaire, c'est un peu décousu, excusez-moi, mais je suis un peu revenu en arrière, ce sont ces partenariats. Dès le début, des industriels se sont intéressés à la chaire. Nous sommes portés, par exemple, par ST Microelectronics, quand même un très gros producteur de microprocesseurs, qui avait bien compris, en fait, parce que je travaillais avec eux sur les questions d'innovation avant, qu'en fait, si je m'intéressais aux questions de l'IA, ça pouvait vraiment importer sur, par exemple, des projets de l'usine 4.0, dont nous avons parlé ce matin. Effectivement, nous avons un gros projet sur l'usine 4.0, et en particulier sur les aspects humains et sociaux de l'usine 4.0. Et je le dis aussi tout de suite, pour moi, philosophe politique, il n'y a pas d'éthique de l'IA pleine et complète tant que le citoyen ne se sera pas saisi de ces questions. Or, dans le jeu des parties prenantes de l'innovation relatif à l'intelligence artificielle au numérique, on a évoqué par exemple les GAFAM et d'autres puissances de cet ordre, bien entendu, l'individu, les personnes sont considérées comme des usagers, des consommateurs, des consommatrices, mais rarement comme des citoyens et des citoyennes, et pas même comme des éco-citoyens et des éco-citoyennes. Donc nous avons le projet d'état généraux de l'éthique de l'IA sur des questions générales ou précises, questions précises qui sont d'ailleurs, et là est l'espoir, tout à fait activées par l'incroyable quantité de demandes dont nous sommes saisis. Nous sommes saisis parfois très marginalement par les demandes, de certaines demandes. Ainsi, j'ai plaisir toujours à souligner ce cas, puisque c'est un dossier d'une puissance incroyable qui nous est arrivé presque par la bande. Vous voyez le sigle de l'ADIRA, qui est l'association des directeurs des systèmes d'information de Rhône-Alpes, une très grosse association qui regroupe quelques 400 DSI de la région Rhône-Alpes. Un jour, je les connaissais depuis un certain temps, nous avions travaillé sur l'innovation, avec des conférences, des choses comme ça. On me dit, mais est-ce que vous voulez pas venir à la direction régionale de Pôle emploi à Lyon? Ben, très bien, allons-y. En fait, la question est de savoir, c'est une question qui se pose dans une table ronde finalement assez interne, assez corporate, quoi. Jusqu'où faut-il mettre des chatbots pour favoriser le recrutement? Alors, comment ça, jusqu'où? C'est une question absolument cruciale. Et alors, ça a été un moment extraordinaire d'interrogation. Alors, pour l'instant, une amorce, à mon avis, d'interrogation. Parce que qui manquait-il dans la salle? Qui manquait-il comme partie prenante? Les usagers. Il n'y avait pas un seul demandeur d'emploi. Vous voyez, donc, alors, tout ça, vraiment, est incroyablement stimulant, très frustrant, parce qu'il faut mobiliser des communautés qui ne sont pas du tout habituées à se parler les unes aux autres. Et par ailleurs, j'aime à être invité dans des conférences où on me demande tout le temps la question de cerner la question du défi éthique de l'intelligence artificielle. Et là, je vous montre une image qui a été produite par la personne qui m'invitait, qui était quelqu'un qui avait des compétences graphiques. Et je lui dis, je veux bien venir à l'école Purpan, qui est une grande école de Toulouse, Institut National Polytechnique. Vous savez, c'est la grande école française d'agronomie. Il y avait 300 deuxième ou troisième année, enfin, voilà, qui étaient là. Je viens, mais vous faites l'affiche. Vous faites une affiche, ça me donnera à penser. Et voilà l'affiche qu'on m'a proposée. Et alors, c'est intéressant parce que le défi éthique de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ça. C'est très intéressant de voir que cette représentation est erronée, fausse, illusoire. Mais elle interroge, évidemment, avec, en regard, le penseur de Rodin. Moi, il me semble que ce qui est intéressant dans cette très belle affiche, que je trouve totalement fausse par rapport au titre, puisqu'il s'agit plutôt des chatbots, par exemple, de la relation presque ordinaire et invisible aux plateformes, plutôt que d'avoir devant nous des robots anthropomorphes qui se posent des questions. La question du défi éthique de l'IA, c'est pas de savoir quand l'IA sera éthique ou se posera des questions éthiques par réflexivité. C'est pas ça du tout le problème. Et peut-être ça sera jamais le cas. La question, c'est plutôt, vous voyez, on voit bien par la disposition que j'ai choisie, en fait, il me semble que l'IA nous renvoie un miroir de nous-mêmes. Et c'est pourquoi elle pose des problèmes éthiques.
parce que ce qu'elle nous renvoie n'est vraiment pas, réjouissant à certains égards. Je vais le redire, ça devient un mantra de la journée, je ne suis pas technophobe. Je suis même plutôt un fervent technophile, et c'est pourquoi d'ailleurs j'occupe ce poste-là. Voilà, donc du coup, la question pour moi, de manière générale, c'est comment apprivoiser l'innovation sauvage. Hein, j'ai produit ce concept d'innovation sauvage, je l'explique dans plusieurs articles et dans cet ouvrage, c'est-à-dire comment relier à nouveau frais innovation, progrès et développement social et humain. La question « quelle éthique pour l'IA ?», qui est la question de la chair, est une question finalement dérivée. Je rappelle, puisqu'il faut quand même, c'est le travail du philosophe, de préciser le sens de ce terme, qu'est-ce que l'éthique, sinon un discours de type évaluatif qui coordonne la détermination d'un sens, donner un sens à son action, et les règles d'action en vue d'une vie bonne et juste. Alors, une vie bonne et juste pour qui? Vous me direz, pour l'humain. Mais ça, c'était l'éthique d'avant. C'était l'éthique d'avant, le souci de la transition. Aujourd'hui, la vie bonne et juste qu'il convient de mener éthiquement est une vie pour l'ensemble des êtres humains, des êtres vivants et peut-être même des êtres naturels. Dans, par exemple, l'écologie, cette variante de l'écologie qu'on appelle, par exemple, l'écocentrisme, hein, qui met au cœur de la préoccupation éthique, par exemple, un fleuve, par exemple, un site. Voilà. Donc, vaste tâche que la tâche éthique. Et on voit bien que de ce point de vue, nos collègues informaticiens ne sont de toute façon pas encore formés à l'ensemble des théories morales qui existent déjà sur ces questions. Alors, une des tâches à laquelle je me livre avec mon équipe, hein, qui rassemble une douzaine de personnes et 6 doctorants, pas seulement en philosophie bien entendu, mais en sciences d'information et de la communication, en marketing, en sociologie des organisations notamment, et en psychologie clinique. Donc cette équipe accepte comme hypothèse ce que je lui ai soumis, c'est le fait qu'il existe 4 éthiques particulières de l'intelligence artificielle ou en intelligence artificielle. Elles correspondent à ce qu'on peut appeler la division du travail académique. Elles travaillent très peu ensemble et elles sont irréductibles les unes aux autres. Chacune a son rôle à jouer et le joue. Je les interprète, je les envisage comme ce que Michel Foucault appelait dans l'archéologie du savoir, 1969, excusez-moi, j'ai commis une erreur tout à l'heure, comme des formes discursives. Alors, les formes discursives, ce sont des savoir-pouvoirs, des discours, qui droit à exprimer une autorité académique. En exprimant cette autorité académique, elles configurent la réalité, elles définissent la réalité, elles ont une visée, une perspective ontologique, on pourrait dire. Et, pour certaines d'entre elles ont clairement une visée hégémonique. Par exemple, la computer ethics, l'éthique informatique, s'intéresse à la manière de programmer de manière éthique. Alors, elle a une très très forte prégnance. Il est clair qu'elle est centrale. Et bien entendu, ce qu'on entend par éthique de l'intelligence artificielle, la plupart du temps, concerne évidemment le travail sérieux, honnête, on va y insister dans la prochaine diapo, des collègues informaticiens. Mais tout autre est l'éthique artificielle, l'éthique numérique et ce que nous avons nommé dans notre chaire terrain à l'appui, hein, puisque nous essayons de fournir de livrer sur les demandes qu'on nous fait, quoi, donc je viens d'évoquer, l'éthique des usages de l'IA. L'éthique de l'IA à travers des usages. Vous allez voir ce que ça veut dire. UX, EI, Ethics, alors j'ai proposé ce nom, non pas pour faire anglais, encore que, il faut attaquer l'adversaire sur son terrain, mais pour mentionner l'importance de l'UX. Alors, dans les savoirs de l'innovation, dont je suis très familier, UX renvoie à User Experience, l'expérience usagée, qui sert aujourd'hui à designer les solutions qui sont donc designées, marketées, hein, tellement séduisantes, évidemment, pour le consommateur, qu'évidemment, puisqu'il a contribué, parfois sans le savoir, à les designer. Voilà. L'UX renvoie à l'expérience usagée qui est devenue le principe et le ressort aujourd'hui du design des services et des objets. Alors, qu'est-ce que ça peut donner pour l'éthique de l'IA? Bon, je vais être très rapide quand même. Pour ce qui est de la computer ethics, chacun le sait, elle s'attache à statuer d'abord sur les concepts et valeurs qui doivent régir l'écriture du code et,
pour certains, rendre les algorithmes éthiques. Tel est le cas, par exemple, pour la fairness. Ce qu'on entend par fairness chez les informaticiens, c'est vraiment la propriété d'un algorithme à ne pas engendrer de biais. Ces concepts sont des valeurs qui sont aussi des horizons. C'est très important qu'ils existent. Alors, ils sont tous en anglais, évidemment. Certains, évidemment, sont traduits là, non moins évidemment. Un problème est que, en particulier, ils sont souvent utilisés à profusion et définis de manière ad hoc. Chaque auteur d'article, et il y a plusieurs dizaines d'articles par mois, chaque auteur a tendance à définir avec ses propres termes. C'est-à-dire que les informaticiens qui se livrent à l'épistémologie de leur propre discipline, comme le ferait par exemple un physicien ou un chimiste, qui chercherait ce que c'est que l'explicabilité de ses propres démonstrations, eh bien, ont tendance à réinventer à chaque fois ce dont ils parlent. Alors, c'est intéressant, c'est comme s'il s'agissait d'une nouvelle renaissance. On voit bien qu'il y a une concentration d'intelligence extraordinaire avec des gens brillants qui ont l'audace de réinventer leur propre catégorie. Comme à la Renaissance, chacun des peintres forgeait son propre outil. Je pense qu'on vit quelque chose comme ça. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une joyeuse confusion et que ce qu'on appelle le domaine XAI, Explainable Artificial Intelligence, mériterait vraiment d'être éclairé, mériterait une épistémologie plus soutenue. Nous y travaillons. Et l'article de Barredo, Arrieta et ses cinq, je crois, autres auteurs fait le point en 80 pages de plusieurs dizaines d'articles qui portent sur ces sujets. C'est une synthèse qui montre bien que il y a une polyphonie jusqu'à la confusion. Alors, tout cela serait déjà intéressant et suffisant, mais il faut aller plus loin et ajouter que ce que, pour l'instant, la computer ethics n'a pas compris, et ce qu'elle n'admet que peu, c'est qu'il existe plusieurs formes du raisonnement éthique. Il y a quatre, grosso modo, familles de l'éthique. Ces quatre familles de l'éthique regroupent elles-mêmes des dizaines d'éthiques différentes. Et, l'éthique existe depuis 2500 ans. L'éthique d'Aristote est encore très performante. Elle existe depuis 2500 ans. Alors, l'éthique du devoir ou des règles, le déontisme ou déontologisme, l'utilitarisme qui procède par calcul des coûts et des bénéfices, l'arétaïsme, l'éthique des vertus. Personnellement, je soutiens qu'on gagne à penser le caractère arétaïque de telle ou telle technologie, parce qu'il me semble que certains dispositifs sociotechniques produisent des vices, engendrent des vices. Certaines voitures poussent au virilisme. Certains réseaux sociaux poussent, stimulent certains vices dont on ne peut pas dire que ce sont des mauvaises habitudes, ce sont des vices, comme la haine, je ne mentionnerai pas de l'orgueil pour d'autres, n'est-ce pas? Donc, je pense que toutes les formes de raisonnement éthique sont intéressantes pour faire une évaluation de l'intelligence artificielle et du numérique. L'axiologisme consiste à raisonner éthiquement à partir d'une valeur supérieure, et vous voyez la valeur supérieure que j'ai illustrée avec la canopée amazonienne, c'est évidemment la nature pour les éthiques écologiques. Et alors, l'éthique des nouvelles technologies est dominée par le seul utilitarisme. Finalement, la seule éthique que connaissent les collègues informaticiens, roboticiens, c'est l'éthique utilitariste. Et d'ailleurs, c'est la même chose en science, souvent. Je milite à pluraliser les formes de raisonnement éthique. Là, les collègues me disent, mais ça devient effarant de complexité. Et oui, en effet. C'est pour ça que c'est intéressant. Et je crois là qu'il faut humblement travailler à la mise en commun des savoirs, des concepts, afin de pluraliser le raisonnement éthique. Sans oublier cette question de la langue. L'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble se situe à Grenoble, en France. Il est composé de chercheurs, alors j'ai pas fait de statistiques précises, mais à 90% français. Les meetings, c'est leur nom, ont lieu en anglais. Et mes doctorants, qui sont amenés à tous les mois à proposer quand même un talk, je continue. Donc, il me dit, patron, est-ce qu'on doit le faire en français ou en anglais? J'ai dit, vous le faites en français. Hein. Ah ouais, non, mais ils nous mettent la pression. Et les templates qui nous envoyaient sont en anglais. Ben, je dis, vous prenez les templates en anglais, vous mettez du français dedans. Voilà. Donc, une sorte de... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis intimement convaincu que Charles Taylor a raison, c'est-à-dire ce grand philosophe canadien, qui est un Canadien anglophone vivant à Montréal et de culture et de tradition catholique. Donc, déjà, c'est une bizarrerie, cet homme-là. Et en fait, Charles Taylor a bien montré dans ses ouvrages que l'identité se constitue par le rapport à la langue.
Le rapport à la langue n'est pas simplement quelque chose qui concernerait, encore que ces mots sont eux-mêmes très compliqués, l'expression, la communication. La langue porte une vision du monde, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. La langue porte une vision du monde, et le malaise de la modernité, un autre de ses grands ouvrages, vient de la réduction de cette diversité. Ce qui fait que sur le plan politique, c'est Charles Taylor qui a inventé cette formule, il faut imposer une forme de vie démocratique qu'il appelle le multiculturalisme. Alors, conviction fait que, vous voyez, la vie bonne qu'on va déterminer en éthique est une vie bonne pour un individu concret. Cette vie bonne pour un individu concret dans son environnement, non seulement linguistique, mais civilisationnel. Et bien entendu, je suis venu ici, alors en plus j'étais vraiment malade avant-hier, je suis venu en disant, voilà, bien entendu, on pourra parler d'éthique de l'IA quand, par exemple, il y aura une IA francophone. Puisqu'on parle d'éthique, il s'agit de penser les formes de vie bonne pour des individus situés, qui est la problématique taylorienne. Ce sont ces individus situés qui font que l'éthique n'est pas un vain mot, quelque chose qui va concerner l'utilitarisme ordinaire de collègues qui ont tout intérêt dans un monde de l'innovation où leurs productions sont très valorisées à hauteur de dizaines de millions, et de milliards même parfois, donc à parler anglais. Voilà, et il convient de résister, ben vous l'avez tous dit. Alors, j'aimerais quand même attirer l'attention sur ce qui se joue ici. On distingue généralement, faisons un peu de technique, puisque bon, ben, on est fatigué, mais je suis là pour ça, on distingue généralement des approches minimalistes et des approches maximalistes en éthique. L'auteur qui a fait rentrer cette distinction, il y a maintenant quelques années, à partir de 2007, enfin 2004 même, c'est un auteur qui est décédé aujourd'hui, en 2019, Ruven Ogier. Extrêmement séduisant, extrêmement provocant, extrêmement bon écrivain. J'adore ses livres et je suis opposé à presque tout. Nous avons beaucoup discuté, Ruven Ogier et moi-même, sur ces questions. Ruven était minimaliste. En gros, c'était un utilitariste dont le raisonnement était toujours conséquentialiste, c'est-à-dire on va s'intéresser en éthique à regarder le rapport entre les coûts et les bénéfices. Et il était anti-paternaliste au dernier degré, et notamment, si vous connaissez Ruven Ogier, vous savez par exemple qu'il militait de manière très active sur toutes les formes de liberté sexuelle. Il a écrit plusieurs livres remarquables contre le paternalisme en matière de moralité sexuelle. Bon, grâce lui soit rendue, et il s'oppose non moins farouchement à ce qu'il appelle le maximalisme, à savoir l'éthique déontologique, déontique, qui impose le devoir envers soi-même, Kant, l'éthique de l'excellence, l'arétaïsme, il supporte pas le discours des vertus, qu'on appelle aussi le perfectionnisme moral, et il s'opposait à toute forme d'éducation morale. Alors, en fait, Ruven était libertaire, quoi, enfin, c'est un libertarien même. Ma grande bizarrerie, c'est toujours de m'étonner pourquoi la gauche aime tant Ruven Ogier. En fait, en gros, c'est la morale de Trump, quoi. Alors, donc en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, l'État nous rend-il meilleur? Moi, en tant que machiavélien, c'est-à-dire républicain, la ligne de pensée qui va d'Aristote à Hannah Arendt, en passant par des auteurs aussi variés que Machiavel, Montesquieu et Proudhon, moi, c'est comme si on passait les doigts sur un tableau, quoi. Ça m'arrache les oreilles, quoi. Un jour, j'écrirai un livre contre ce livre-là. Bien sûr que l'État nous rend meilleur. Par parole de fonctionnaire public qui tient son université. Qui tient dans son université tous les rôles qu'on lui a fait tenir. Enfin, comment ça? J'y travaille. Alors, pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'en fait, le minimalisme vise l'évaluation de ce qui est bien à travers le critère du bon. C'est bien parce que c'est bon pour un individu, pour une communauté. Et c'est efficace, ça. C'est très efficace. L'intérêt de l'utilitarisme conséquentialiste, c'est évidemment qu'il est très efficace. On va toujours avoir une évaluation, finalement. Et parfois, on va dire, ben, on va pas le faire, le projet, on va pas le faire, parce que éthiquement, en effet, non, c'est pas possible. Mais souvent, l'utilitarisme nous pousse à agir dans le sens de ce qui est profitable pour nous. Tandis que, dans le maximalisme, on doit affronter quelque chose qui, à mon avis, est au cœur de l'éthique, à savoir le fait qu'il existe des conflits de valeurs. Ces valeurs étant elles-mêmes nommées en philosophie substantielles. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas conventionnelles. C'est pas les... Si vous voulez, il y a des valeurs axiologiques, notamment d'origine religieuse, alors sauf à être complètement athée et intolérant, on va dire, c'est pas les humains qui les ont engendrés. Pour les acteurs de ces éthiques, c'est pas eux qui ont inventé ces valeurs.
Alors on peut dire, bon, oui, mais enfin tout ça, ce n'est pas la philosophie. Oui, mais enfin, la philosophie n'a pas le monopole de l'éthique. Le droit en fait, les religions en font. Et comment? Donc du coup, vous voyez, le problème, c'est que il me semble que le minimalisme apparaît certes rassurant, mais il est fondamentalement insuffisant. D'autre part, les défis éthiques de l'IA appellent des réponses nécessairement maximalistes et engagent des conflits de valeurs. Alors, je terminerai en vous le montrant, en évoquant simplement avant cela l'expérience la plus réussie que nous avons faite d'éthique de l'usage par les IA sur un projet de recherche de l'EITS, donc le grand consortium de recherche européen sur la santé. Projet qui s'appelle, je termine en ce moment, Real World for Clinic, qui concerne l'implémentation de terminaux pour des insuffisants cardiaques au plus près du cœur. Cette implémentation donc concerne des personnes qui passent la porte et qui peuvent avoir un arrêt cardiaque. C'est des populations qui ont cette pathologie. Alors, en fait, comment faire de l'éthique pour des devices invasifs, hyper importants, que les personnes vont réclamer à corps et à cri pour ne pas mourir? Comment faire pour qu'il n'y ait pas un excès dans cette dynamique de l'innovation qui valorise tellement l'usager, un excès de, vous voyez, de production de technologie à laquelle on va pouvoir. Comment faire pour ne pas tomber dans un transhumanisme qui est une réalité ou même de confort parfois? Comment faire? Eh bien, en favorisant le co-design, en inventant des narrations collectives avec les patients sur le temps long, contre la rapidité itérative de l'utilitarisme, du conséquentialisme, développé notamment par la computer ethics, ce qu'on cherche à faire, c'est décaler le problème éthique vers les vraies personnes qui vont connaître l'implémentation des solutions. Alors, cette démarche implique donc toutes les parties prenantes. Bon, j'ai un peu rétréci ma diapo, donc le mot partie prenante a sauté, parce que j'avais listé toutes les parties prenantes. Les amener, ces personnes, ces parties prenantes, à une confrontation de principes et de valeurs, en disant, mais qu'est-ce que c'est souhaitable? Et vous voyez, donc, on va avoir évidemment un jeu sur la polysémie des valeurs qu'il va falloir. C'est pas simple, c'est pas, rien n'est jamais simple. S'apercevoir que les valeurs sont éventuellement contradictoires entre elles et problématiques, c'est-à-dire elles posent à jamais problème. Voilà. Mais enfin, vous voyez bien que les comités d'éthique le savent bien, ça en bioéthique, la plupart du temps. S'il y a un comité d'éthique qui instruit dans une procédure un peu longue, c'est précisément que c'est pas facile. Voilà. Donc il faut ralentir tout ça autant que possible. C'est peut-être pas toujours possible compte tenu de la vitesse des projets. Il n'empêche que vous voyez, sur ce projet-là, on a particulièrement bien réussi, je trouve, à créer des protocoles éthiques et à rendre des avis éthiques qui a mené cette séduisante innovation technologique où l'humain se trouve assisté et en partie augmenté, l'a mené donc à une forme de, vous voyez, de position raisonnable. Voilà. Alors, ce qui conduit à faire quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore aujourd'hui, qui a donné à l'imagination un rôle important dans la démarche éthique. Le monde que nous vivons est un monde qui n'a pas la philosophie de la technologie qu'il devrait avoir. Nous avons, dans cette dynamique générale et, disons-le, un peu folle de l'innovation, accès à des produits et à des services qui peuvent nous transformer considérablement. Je pourrais le dire en termes phénoménologique, par référence à la notion arendtienne, par référence à Hannah Arendt, de monde, nous n'avons pas le monde sensé qui va avec l'usage de nos technologies. Et donc, c'est pourquoi il convient, vous voyez, de s'entraîner à l'imagination participative, comme le proposait Martin Nussbaum et puis d'autres auteurs français, comme le professeur Jean-Philippe Piron, mon collègue aujourd'hui de l'Université de Bourgogne. On comprend que lui travaille à partir de Paul Ricoeur, donc dans l'imagination, le travail de l'imagination, il y a quelque chose qui se joue pour la création d'un monde qui fait sens pour les gens qui y vivent. Et c'est ce dont nous manquons aujourd'hui. Nous avons des technologies, nous avons même des usages à pléthore, nous avons même des usages intelligents. Sauf que cette intelligence est peu réflexive. Personne ne sait quelle est aujourd'hui la société souhaitable. Voilà. Quelle société souhaitable, technologiquement assistée et augmentée? Tout est possible, même le pire, mais aussi le meilleur. Voilà. Donc, à cet égard, il me semble que l'imagination participative nous permettra d'échapper à la réduction linguistique en amenant les visions du monde, dont parle Charles Taylor, par le dialogue, donc entre les langues, un dialogue interculturel, qui permettra de contrer l'impérialisme, puisque, en effet, et ça a été dit aujourd'hui, pour moi, l'innovation parle anglais parce que c'est du soft power. Voilà. Donc,
Il est évident que quand je dis aux doctorants, prenez les diapos et écrivez en français dedans et prononcez en français, ben c'est quelque chose qui a à voir avec une forme de résistance pour inventer un monde qui permet d'échapper, disons, au caractère étroit, disons, à certains égards de la dynamique dans laquelle nous sommes pris. Alors, d'autant plus que, je terminerai là-dessus, l'interaction entre les algorithmes et les contextes sociaux est préoccupante, ainsi que l'ont bien montré parmi d'autres, hein, ces deux autrices, Cathy O'Neill et plus récemment Kate Crawford, deux informaticiennes de très haut niveau qui nous avertissent que, comme je le disais, l'IA est un miroir dans lequel nous nous regardons, et ben, nos propres biais sociaux, humains, sont considérablement amplifiés par les biais. Alors, il y avait une diapo que j'ai enlevée, c'est celle de Tay de Microsoft, ce chatbot qui en 2016 était devenu, en 24 heures, sexiste, raciste, antisémite. Le problème est, en tant qu'éducateur de l'IA, d'éduquer des personnes artificielles qui sont à haut potentiel. Donc, il faut prendre nos responsabilités. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut arrêter d'implémenter tout le temps pour tester des usages qui sont sauvages. Voilà. Nous ne faisons pas d'IA éthique. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il ne suffit pas que les algorithmes soient explicables et qu'ils aient l'air transparents et qu'ils soient objectifs. Équitable, ça veut dire autre chose, voilà, il me semble. Alors, d'autant qu'on y vient à l'équité, l'interaction entre les algorithmes et les contextes sociaux est tellement importante qu'il faut requalifier la fairness. C'est l'objet de mon prochain article. Hein, j'ai un programme assez lourd. La fairness qui est entendue en gros comme objectivité, comme caractère d'un algorithme non biaisé ou le moins biaisé possible. Évidemment, c'est évident pour les collègues philosophes qui nous écoutent, en fait, la fairness représente des bibliothèques entières en philosophie politique. Elle relève de ce qu'on appelle les théories de la justice. Un choix d'affectation d'une ressource qui est faite selon des critères, selon une méthodologie, selon un canon socialiste, n'est pas le même choix selon un canon libéral. Ce n'est pas la même affectation selon un canon libertarien, pour évoquer tout à l'heure Prevenogien et éventuellement la position très cohérente de Donald Trump à cet égard. Ce n'est pas la même chose qu'un canon qui serait communiste. Donc vous voyez, quand un système d'IA, SIA ça veut dire système d'IA, quand un système d'IA est utilisé pour le recrutement professionnel, la question n'est pas de dire il va être impeccable, il n'y aura pas de biais. D'ailleurs, à mon avis, c'est impossible. La question est de savoir en fonction de quelle valeur on le code. De même, j'ai évoqué Parcoursup ou le prêt bancaire, quand un algorithme, quels sont les critères? Alors, pour les recommandations culturelles aussi, bon, qui décide et comment? Or, il n'y a pas d'équité sans théorie de la justice, par référence donc à cette discussion sur les valeurs, sur les règles discutées, et qui par exemple, inspirait la théorie de la justice de John Rawls, qui est le grand livre, 1971, qui, chez nous, philosophes politiques, et notre Bible, en fait, a rouvert la question des sélections, des affectations de moyens, sur la base donc de valeurs et de règles discutées. Voilà. Alors, je terminerai sur le fait que la transition écologique nous fait obligation de revenir sur certains critères, comme celui d'Illich, qui critiquait en son temps le suroutillage individuel, la surmédicalisation technologique et le système industriel déshumanisé, et qui disait, voilà, le fait d'être technologiquement évolué ne garantit pas du tout d'être développé. Au contraire, les technologies, Illich le disait à propos de la voiture, à propos de l'éducation, à propos de la médecine, mais pas à propos de l'informatique, il aurait pu commencer à le faire, eh bien, les technologies sont peu conviviales quand, sous couvert de progrès technologiques, elles affaiblissent l'autonomie. Donc, vous voyez, je ne militerai pas pour terminer cette journée pour les low-tech, qui sont toutes ces technologies qui permettent de faire autant ou à peu près aussi bien que ce qu'on aurait fait avec de l'IA, mais avec moins de moyens. Mais quand même, il semble que l'urgence écologique nous amène à nous dire, voilà, de quelle technologie a-t-on réellement besoin pour quel usage? Parole de spécialistes de l'innovation qui peuvent vous garantir, depuis 12 ans je suis dans des projets d'innovation, en gros on peut faire accepter n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, ça, il n'y a pas de problème, il y aura toujours, c'est toujours tellement, voilà. Alors, comment relier IA, innovation, progrès et développement dans le sens de la convivialité illichienne pour une vraie autonomie et donc vraiment pour
donc voilà, un respect des différences culturelles. Voilà. Merci pour votre attention.